Ses funérailles ont eu lieu le 11 novembre 2021. C'était avec lui la fin d'un monde, la fin d'une épopée extraordinaire, celle des Compagnons de la Libération. Guillemette de Sérigné, qui est une auteure bien connue, qui avait fait un très beau livre sur son père officier, mon illustre inconnu, qui a écrit aussi sur la circassienne, nous livre une très belle biographie essai sur Hubert Germain, le dernier des Compagnons de la Libération. Avec ce portrait d'Hubert Germain, on voit combien ces résistants de la première heure étaient avant tout de grands modestes qui ont eu juste l'impression de faire leur devoir et de servir et de faire ce qu'ils avaient à faire. Et bien pour nous aujourd'hui, qui les avons vus partir les uns après les autres, on pense à Daniel Cordier, on a envie de leur donner un grand coup de chapeau et de s'incliner une dernière fois devant eux.